Meilleure caméra. Donc, c'est ça. Il faut inviter les gens à allumer leur caméra. Vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît. Voyage, hein? Maïmouna. Oh. Voilà, on est déjà un peu plus nombreux. Je demandais finalement qui va nous guider, parce que là, je me dis, on est là, on se regarde, du coup. Bon, Bonne question, Marie. Je propose une personne qui a déjà participé à une édition précédente. Pour l'instant, ça, c'est ma première. Donc, ça, c'est ce que je propose. C'est une personne qui a déjà participé à une édition précédente. Moi, j'ai déjà participé à une émission précédente, mais après, ici, c'est juste de partager son expérience ou ses vécus ou des tips, des astuces par rapport à son positionnement sur son personal branding sur LinkedIn. Et moi, je pense qu'il y avait une question dans l'autre salle qu'on n'a pas forcément bien répondu ou qui a été Allô? répondu dans le chat. Et je pense qu'il y a aussi des personnes ici qui sont des employés ou enfin, des salariés et qui le personal branding les intéresse beaucoup. Et donc, s'il y a des spécialistes de personal branding ici qui veulent nous partager des astuces par rapport à eux, voilà, moi, je pense qu'ils peuvent y aller et après, on verra comment continuer. Ah, cool. Je vois Meymouna. Meymouna, elle est, enfin, je la connais, elle est sur LinkedIn et elle avait commencé pas très longtemps par rapport à son personal branding sur le réseau. Je pense qu'elle a peut-être des choses à nous partager sur, parce qu'elle a suivi une formation avec un autre aussi sur le copywriting, si je ne me trompe pas. Et donc, Memouna, je pense que tu peux nous partager un peu ton expérience et peut-être aider aussi les autres qui nous suivent et qui sont des salariés. Bonjour Maria, bonjour tout le monde. Et Maïmouna, oui, je suis sur LinkedIn depuis, je pense, octobre 2022, il y a à peu près 5-6 mois. Et l'objectif, je voulais juste apprendre à écrire sur les réseaux sociaux parce que actuellement, je suis en pleine transition pour me mettre à mon propre compte. Mais je suis employée salariée quelque part. Et donc, le challenge, c'était apprendre à écrire sur les réseaux sociaux, me faire connaître avant de lancer mon produit. Et sinon, à part cette formation copywriting, je n'ai pas suivi d'autres formations ni de branding, rien du tout. Raison pour laquelle je ne peux même pas m'afficher à 100% ni afficher mes produits. Parce que j'ai mes directeurs, mon directeur, le conseil d'administration, je suis amie avec eux sur LinkedIn. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre à ce niveau. Étant salariée, en transition, pas encore à son compte, et comment rester visible sur les réseaux. Donc, voilà un petit peu Maria. Pour allumer ton micro, Maria. Alors, je disais que Emmanuel, Pierre, Alima, je pense que c'est vous les experts, enfin, c'est nous les experts par rapport à cette thématique. Et donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse à apporter à Meymouna, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et c'est vraiment une problématique. Donc, je vous laisse enfin, rebondir si vous avez des réponses par rapport à ça.
En tout cas, moi, ce que je peux dire. Oui. Bonjour. Allez, donc, moi, je ne suis pas africain, hein, vous avez remarqué. Mais j'aime bien le thème de... Ça ne se voit de... pas que tu n'es pas africain. Hein, ça je ne peux pas me cacher. Mais c'est super de faire des organisations comme ça. Je pense que la première, le premier pas à faire, si vous démarrez à zéro sur LinkedIn, où vous êtes déjà bien avec une petite communauté et tout ça, c'est la conversation. Cette année, vraiment, l'année passée, ça a évolué petit à petit. On voyait comment, surtout Jasmine, elle a beaucoup d'expérience là-dessus, c'est créer la communauté. Mais après avoir plein de gens qui vous suivent, et si vous ne leur parlez pas, ça ne sert à rien. Donc, première chose à faire, c'est converser, participer, laisser des commentaires. Vous posez alors des petits cailloux blancs, comme si vous étiez le petit poussé. Bien sûr, il ne faut pas juste dire hey, « bonjour, bonjour », ça ne sert à rien. Hein. Mais interagir, donner son avis, relever une remarque positive, négative, toujours avec empathie, ça va commencer à faire comme une sorte de petit moulin. La personne va vous répondre. Alors, soit ben, vous répondez encore par rapport à ce que lui a donné comme avis et vous avancez. Et petit à petit comme ça, vous allez voir que, en fait, ben, vous allez avoir des idées de conversation, vous allez avoir des idées de poste, vous allez pouvoir parler de ce que vous faites. Moi, je travaille pour un magasin en circuit court ici en Belgique. Et ça fait tourner ben, voilà, vos relations, un peu comme une conversation. Et en fait, ça devient en fait, une machine à café. Quand on est dans une entreprise, même une grande entreprise, ben, l'endroit où on peut rencontrer des collaborateurs ou des autres personnes qui travaillent dans un autre secteur qu'on ne connaît pas et tout ça, c'est la machine à café. C'est là où on va chercher un petit café à 10 heures. Eh ben, LinkedIn, c'est la même chose, mais c'est en mondial. C'est, on peut parler avec une dame du Togo, alors que je n'ai jamais été au Togo. Enfin, c'est formidable. Et donc, là, ça ouvre votre monde. Après, ben, vous commencez à discuter, vous commencez à parler et les choses, elles vont venir naturellement. Voilà, ça, c'est mon expérience. OK. Alors, Jasmine, avant que tu n'arrives, comme on est là, on se regardait, on ne savait pas trop dans quel sens ça va aller. J'avais pris le lead et j'avais essayé d'introduire un peu. Et du coup, il y a beaucoup Maïmouna Traoré qui m'intéresse par rapport à tout ce qu'elle fait. Elle est nouveau sur LinkedIn et elle a une problématique par rapport au fait qu'elle est employée. Enfin, je ne sais même pas si on doit dire employée ou salariée, peu importe, je pense. Hein. Du coup, elle est salariée. Elle est en transition pour devenir, enfin pour être à son propre compte, du coup entreprendre, mais elle ne sait pas trop son positionnement, sur quel sujet elle va, enfin si elle doit parler de ci ou ça, parce que pour ne pas rentrer un peu, puisqu'il y a ses directeurs et tout ça qui la suivent aussi sur les réseaux, elle n'est pas totalement, elle n'a pas démissionné, elle travaille, mais elle est en transition. Du coup, elle a une bonne communauté quand même, et je la vois, elle a, enfin, sa première publication, elle a plus de 1000 personnes qui ont aimé du coup, et il y a beaucoup de réactions par rapport à ses contenus, et moi quand même j'ai une petite, c'est un peu ça, ce sur quoi on parlait pour poser les bords. Je vois Ali Massamé qui est levé, mais avant de lui donner la parole, j'ai aussi une petite contribution à apporter à Maïmouna. C'est que déjà, il faut, comme je l'avais dit avant, je sais que tu nous avais suivis, c'est d'abord de fixer ton objectif. Je pense que Pierre l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas être là. Oui? Il faut pas être là. Ok. Il faut pas être là que pour être là parce que après tu as quand même une grande communauté. Déjà que ça dépasse plus de 500 personnes, c'est quand même une communauté. Et même 10, c'est une communauté. Hein. Du coup, il faut pas leur perdre du temps, sinon ils vont se désintéresser. Ça m'est arrivé. Et avant de les récupérer, ça va te prendre tellement de temps, tellement d'énergie. Et donc pour garder ces personnes là, il est vrai que tes directeurs te suivent. C'est vrai. Je sais dans quel domaine tu travailles, mais tu ne t'es pas présenté comme ça, donc on va le taire. Mais je ne sais pas dans quel domaine tu veux aller dans ton propre compte. Donc, si c'est vraiment un compte, comment on dit ça, la concurrence déloyale, tu as peur peut-être qu'on dise qu'il y a une concurrence déloyale. Mais si c'est dans le même domaine, je pense qu'il serait possible de ne pas peut-être parler de ça pour le moment. Mais tu as quand même des sujets de prédilection, tu as des sujets
comment on a l'habitude de dire ça là, des sujets qui te tiennent à cœur. Qui font sens, oui. Ouais. Voilà, que tu peux partager, ça peut être la confiance en soi, ça peut être pendant le milieu professionnel, la gestion des conflits, la gestion du stress. Tu peux peut-être lire beaucoup de livres, lire des choses qui t'intéresse là-dessus et commencer à partager, à nourrir ta communauté en attendant de finir la transition là et enfin de communiquer sur ton propre sujet et là de faire ton coming out, comme on dit. Je pense qu'il y a Alima, il y a Alima qui est très bien positionnée sur ce sujet-là et puis peut-être ouais. Rodrigue aussi. Ouais. Donc on va peut-être, Alima, si tu peux aider la sœur. Oui, c'est aussi ça l'Afrique, hein, Pierre. On est tous frères et sœurs. Hein. D'accord, merci. Mais Marie était bien partie sur le sujet. Elle avait commencé à détailler un peu. Alors, ce que je veux ajouter, c'est qu'il faut déterminer les thématiques qui vous passionnent. Vas-y, Alima. Oh, c'est la connexion ou bien? Ah, je pense que Alima a un problème de connexion. Peut-être, Maïmouna, tu veux ajouter quelque chose? Excusez, ma bonne passante me joue de tout aujourd'hui. Donc, du coup, c'est ce qui fait que je sors et je rentre beaucoup. Donc, je parlais des thématiques qu'elle aimerait bien aborder et elle peut se prononcer sur le sujet qu'elle aimerait, sur lequel elle aimerait entreprendre plus tard sans jamais se prononcer en tant que coach, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Il est important d'en parler dès maintenant afin que l'audience puisse s'habituer à ce qu'on partage et à ce qu'on va partager dans le futur. Ouais. Ouais, je pense que Maïmouna demande la parole, hein, Jasmine. Ouais, oui, Maïmouna, vas-y. Et puis après, on va laisser Rodrigue. D'accord. Merci tout le monde et merci pour les différentes contributions. Mais je voulais juste rajouter que le domaine est bien défini. Hein. Le domaine est défini, la cible est vraiment connue. Et toutes mes publications vont dans ce sens. Je ne sais pas si Maria a dû remarquer. Et je viens de terminer une formation de coach professionnel. Donc, je vais travailler dans accompagner les managers et les professionnels à élaborer leur plan de carrière et tout en ayant l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et deuxième point, j'accompagne également les jeunes diplômés à aborder le marché du travail avec sérénité. Donc, c'est vraiment clair, toutes mes publications sont sur le plan professionnel et puis axées sur les jeunes diplômés. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire « voilà ce que je fais » et je ne peux pas chercher ouvertement les clients. Bah, c'est un peu mon inquiétude, au fait. Oui, moi, là, je maintiens ma communauté qui s'agrandit tous les jours. En 6 mois, je suis passée de 1000 à peu près 8500. Donc, vraiment, Oui, mais voilà, avant de laisser la parole à Rodrigue qui va bien structurer cela, il faut continuer la conversation. Ok. Moi, je pense que la conversation, pour toi, elle est en commentaire. Pas tout le temps forcément obligé de faire des posts et avoir des posts un peu courts. Donc, c'est-à-dire peut-être des citations. Ça, franchement, pour toi, ça va donner parce qu'on va voir que, en fait, tu es dans la motivation, voilà, tu fais des posts assez génériques, mais en commentaire, tu vas sur ces gens-là. Par exemple, je pense à Frédéric William, je pense par exemple à Loïs ici qui va faire justement, on a tout le truc sur le recruiting en fin de journée là. Ce sont des gens qui ont une belle position par rapport à cela. Et donc, quand tu vas interagir avec eux en commentaire, ça ne t'engage pas du fait que ce n'est pas comme un post que tu as fait. Et là, et dans le commentaire, tu fais des commentaires extrêmement qualitatifs. Pas de « oui, tu as raison, oui, je suis d'accord avec… » Non, tu verses ton cerveau là-bas. Et donc, du coup, ça fait que l'entreprise ne verra pas ça comme quelqu'un qui est en train de positionner un produit ou un service. Non, on est en commentaire, on est dans la conversation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu vas faire et tout, va te permettre aussi de valider ton offre de service.
tout doucement. Et tu vas même aller le transformer après, donc à rajouter des trucs, des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Donc moi, je pense que prends cette période-là comme une période, un, où tu te positionnes et deux, tu fais ton étude de marché. Entre dans les conversations et là, sur le coup, tu n'es même pas obligé de faire des posts. Tu peux même republier des posts de certaines personnes qui t'ont inspiré et en dessous, tu fais un commentaire. Tu republies sans commentaire et en dessous, tu fais le commentaire, tu vois. Tu fais une republication et en dessous, maintenant, tu vestes ton cerveau. Et donc, quand tu fais comme ça, on commence à dire, ah, mais elle, Maïmouna parle de ci, de ça. Tu vas te démarquer sans toutefois dire que, bon, je quitte mon entreprise. Est-ce que c'est une très, je pense que ça, c'est une approche que tu peux avoir. Bon, Rodé, je te laisse faire la magie. Merci beaucoup, c'est vraiment clair. Merci. On s'est déplacé. Mets ton micro, Rodrigue. Ouais, mais quand on est sur smartphone, c'est pas facile. C'est compliqué. Ouais, je l'ai déjà fait, c'est pas facile. J'ai la main levée, je peux commencer en attendant qu'il finisse. Vas-y, il arrive. Voilà, je voulais aussi rajouter quelque chose à Maïmouna, c'est que il faut, je le répète, hein, il faut connaître son objectif, mais aussi il faut savoir ce qu'on veut. Des fois, il est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, si elle ne veut pas s'afficher tout de suite, il y a aussi une possibilité, comme Jasmine l'a dit, c'est que quand tu te positionnes sur une thématique précise, déjà, elle connaît sa thématique, c'est clair. Si elle se positionne sur ça en faisant que des publications, sans montrer forcément qu'elle est formatrice ou coach dans ça, mais juste en parlant de ça, on voit déjà la maîtrise qui est là du sujet. Je te promets que les gens, ils vont te contacter en Zoom sans que tu l'affiches partout, que tu es coach. Tu peux même être appelé ici. On est dans le même pays, elle et moi, Jasmine. Du coup, il y a des conférences ici. Tu sais qu'il y a beaucoup de marchés. Enfin, il y a vraiment un gros marché ici. Tu fais des conférences les samedis, dimanches, quand tu as le temps, sans que tu ne l'affiches au grand public, mais on connaît ton positionnement spécifique et ton expertise sur le sujet-là. C'est aussi simple, en fait. Voilà. Rodrigue, je pense que c'est prêt maintenant. Hein? Oui, c'est bon. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous me recevez? C'est bon? C'est top, Rodrigue. On te reçoit, on t'entend. Ok, super. Super. Alors, j'avais levé la main et finalement, il y a Marie, Jasmine et Pierre qui ont abordé en fait les points que je voulais présenter. Mais je vais quand même parler et dire que quand on arrive sur LinkedIn, en fait, il ne faut pas penser tout de suite à la vente. Il ne faut pas penser tout de suite à la vente parce que LinkedIn, c'est avant tout un réseau social. Quand on vient sur LinkedIn, c'est pour échanger, c'est pour discuter. Et comme les autres l'ont dit, il faudra être actif dans les commentaires, il faudra être actif dans la messagerie de sa cible. Et quand je dis actif dans la des messages directs pour dire je suis coach, oui, je vends tel produit, tel service, je peux vous accompagner pour ça, si vous faites ça, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord montrer qu'on est passionné par la chose. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé sur LinkedIn, je ne suis pas venu en fait dans l'optique de vendre ou bien de me positionner comme un formateur ou un coach. J'avais une mission bien précise, j'avais un objectif et mon objectif était en fait lié à ma mission. C'est ça que tantôt je disais dans la première table ronde qu'il est très important de se fixer une mission. On a parlé de mission de vie, c'est très important d'avoir une mission, avoir des valeurs et tout. Et c'est déjà sur ça que vous allez communiquer dans votre contenu sur les réseaux, sur LinkedIn. C'est sur ça que vous allez communiquer. Vous allez mettre en avant ce qui vous différencie en fait des autres. Et ce qui vous différencie des autres, c'est votre personnalité, c'est votre mission, vos valeurs, etc. Et c'est ce que moi j'ai fait quand je suis arrivé sur LinkedIn. Je n'ai jamais écrit sur LinkedIn que je vends tel produit, je vends tel service, ou bien je retourne telle entreprise. Bien, j'ai partagé ce que ma vision en fait du marketing digital, c'est un marketing orienté humain, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir où le marketing digital est c'est un ensemble de techniques.
hacking en crise ou un ensemble de techniques pour exploiter de la data. Moi, je suis arrivé en disant à ma communauté que derrière les chiffres, il y a des humains. Et ce sont des humains, en fait, qui sont les chiffres. Donc, le marketing digital, c'est vraiment une science humaine, une science sociale. Et c'est pour ça que je me suis positionné sur LinkedIn. Et à force de partager cette vision de marketing et mettre en avant ma mission et mes valeurs, j'ai attiré dans ma messagerie ma cible. Donc, je n'étais pas venu pour vendre, mais finalement, j'ai trouvé des clients. Donc, ce que je peux dire à Maïmouna. Mon ami. Oui. Ouais, vas-y, donc, vas-y, termine, vas-y. Ce que je peux dire à Maïmouna, c'est de mettre en avant ses valeurs, de mettre en avant sa mission, de mettre en avant sa passion pour le coaching. Et même si elle ne dit pas directement qu'elle est en train de vendre, les personnes qui correspondent à sa cible vont la contacter, que ce soit par commentaire ou en message. Ils vont la contacter et quand elle se sentira prête pour lancer son activité, elle pourra nettement afficher qu'elle fait de l'accompagnement. Voilà. Et ça sera encore plus facile pour elle. En fait, tout ça, ça fait partie du process. Même si Maïmouna n'avait pas ce problème-là où elle est déjà en entreprise, même si elle n'avait pas ce problème, elle, pour suivre le process du personal branding, elle doit en fait mettre en avant autre chose que la vente. Voilà, donc je m'arrête là. Ok, merci. Emmanuel, j'aimerais bien aussi entendre ton avis, Emmanuel, sur la question et puis peut-être aussi nous parler parce que, comme je disais aujourd'hui, là, il n'y a personne ici qui est là par hasard. Je suis allée vous chercher parce que il n'y a personne ici qui est là par hasard. Et tu vois, Pierre, peut-être tu ne connais pas Emmanuel, tu ne connais pas Wilfried, je ne fais pas de pub, ce n'est pas sponsorisé en plus, hein. Je sais que heureusement que Loïc ne nous suit pas, sinon il a mis ta vidéo. Mais bon, c'est parce que... C'est parce que Emmanuel et Wilfried, ils ont mis en place une application qui te permet en fait d'avoir des messages en gras, de mettre en valeur tes textes, tes posts sur des différents réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Et je pense que leur principale force, c'est le fait qu'ils soient deux. Mais en fait, les gars, tu les as en stéréo, quoi. Et c'est ça que les entreprises ne font pas aussi souvent. Et il faut aussi qu'on pousse un peu les entreprises à le faire. C'est-à-dire que vous êtes là où vous travaillez avec des collaborateurs. Il faut que chacun de vos collaborateurs soit vos ambassadeurs, en fait. Et les deux ont bien compris. Et je te dis, je les ai en stéréo. Et c'est jamais le même message. Des fois, c'est le même message, mais d'une façon différente. La façon avec laquelle Wilfried le dit. Ah, mais vous parlez, je vous ai dit, vous êtes étudié. Ça fait un an. Il n'y a personne qui est là par hasard. Et donc, je les ai vus évoluer, non seulement dans leur branding aussi, dans la façon de s'adresser et dans la diversité aussi des infos. Et ce qui est intéressant, les deux ne font pas de pub alors qu'ils vendent un outil important, mais ils ont une manière d'apporter en fait cette pub là. Est-ce que vous voulez bien nous partager un peu ça là, comme ça nous donne un peu des choses à voir de notre côté, hein, Wilfried ou Emmanuel, la personne qui veut commence. Bon, je pense que la première chose avant de revenir sur le dernier aspect dont vous avez parlé, sur notre façon de travailler, moi et celle de Wilfried, j'aimerais un peu revenir sur le point de Madame Maïmouna Traoré, avec qui j'ai déjà eu un échange par message et sous ses posts aussi. Bon, déjà, j'aimerais dire cette question-là a été aussi posée dans le précédent atelier et Delphine a apporté une réponse. Et aussi, je vais rejoindre celle de Rodrigue et de Maria aussi. Donc, ce que je peux dire, c'est aussi vouloir quitter lorsqu'on travaille déjà pour quelqu'un, c'est déjà une posture assez délicate, surtout si nos employeurs sont connectés à nous ou bien suivent notre profil LinkedIn. Donc, ce que je conseillerais, et ça vient toujours dans la même ligne qu'ont dit mes prédécesseurs, est que il ne faut pas déjà avoir une position où on sait que tu es soit en migration ou bien tu te présentes comme coach. Donc, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est donner des tips ou des conseils sans réellement te prononcer sur la chose. Donc, sans dire que tu es coach. Donc, tu peux donner des conseils dans le domaine, donner des astuces. Et comme l'a dit Rodrigue, des gens vont te contacter en bac. Ça veut dire, même sans jamais dire je suis coach, juste avec des conseils, des gens vont voir une solution en toi et en message privé peuvent déjà te demander des conseils et bien d'autres. Et là maintenant,
tu peux leur proposer tes offres. Et maintenant, au moment où tu souhaites lancer, comment dire, en tant que coach, te présenter en tant que coach, et je suppose que c'est à ce moment-là dont tu vas faire la décision, c'est là que tu pourras peut-être changer ton titre LinkedIn en coach et changer, par exemple, le lieu de travail, etc., et être beaucoup plus ouverte. Et je pense que l'avantage lorsqu'on crée un personal branding, c'est que lorsque tu partages des publications, les gens s'identifient premièrement à toi, à ta personnalité. C'est vrai que s'il arrive que demain tu changes de ligne éditoriale, il y a de fortes chances que, et si tu le fais bien, que ceux qui se sont déjà identifiés à toi te suivent dans une nouvelle ligne éditoriale et où tu pourras partager du contenu. Donc, ça, c'est tout aussi l'avantage du personal branding qui tourne autour. Donc, ça, c'était pour avoir une petite contribution sur le cas de Maïmouna et pour tous les autres cas qui tournent autour. Donc, être subtil dans votre communication en n'oubliant pas qu'il y a votre entreprise qui vous observe et qui vous stalk même. Des fois, ce sont vos collègues sont juste là, ils voient vos posts, ils lisent, ils entrent dans votre profil, ils vous espionnent, mais vous ne savez pas. Donc, juste une légère prudence et communiquer dans ça. OK, bon, maintenant, pour revenir sur la façon dont moi et Wilfried on communique, c'est vrai que c'est un point dont je n'ai pas pensé sur, mais je pense qu'ensemble, on est en train de vouloir créer, on a un objectif en commun, celui de Elan, notamment de créer, nous avons créé un outil, comme l'a si bien dit Jasmine, qui permet aux créateurs de contenu de mettre en forme leur texte sur leurs réseaux sociaux. Donc, concrètement, une personne peut venir sur notre outil nommé Elan TechGen, mettre en gras, souligner, barrer son texte, et venir le copier et le publier sur le réseau social, par exemple LinkedIn, Facebook et Twitter. Et à côté, maintenant, on a récemment implémenté une fonctionnalité qui permet aussi la sauvegarde des idées. Donc, un créateur de contenu peut venir déjà rédiger ses idées au préalable, les préparer et au futur, il les publie, il les copie, il les poste sur les posts dans les différents réseaux sociaux. Maintenant, notre stratégie de communication, elle est axée sur beaucoup de points, mais l'un des points, c'est qu'on essaie d'avoir un personal branding qui va vers le même objectif. Et le premier point dont on a essayé d'utiliser sur notre personal branding, c'est notre charte graphique. Et le premier point, c'est le choix des couleurs. On a décidé, si vous regardez mon profil et celui de Wilfried, on a décidé d'avoir une couleur verte ou une couleur approximative du vert. C'est vrai qu'on a décidé qu'on va s'offrir une certaine liberté pour ne pas rester un peu figé. Mais à la base, c'est la couleur verte qu'on se donne comme objectif. Ce qui fait que dans nos visuels, dans nos communications, il y a toujours ce vert qui ressort, qui permet à chacun de nous rappeler un peu, un tout petit peu, quel est l'objectif de Elan et bien d'autres choses. C'est vrai que j'ai préparé un ensemble de choses sur le personal branding que je pourrais présenter très vite, peut-être plus tard, mais pour ne pas monopoliser la parole, et je vais laisser la parole à Wilfried et avant qu'on puisse revenir sur ces points-là un peu plus tard. Oui, donc merci beaucoup Emmanuel. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, mais je pense que on va peut-être renouveler un peu l'exercice. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Peut-être hors social, pour moi, c'est aussi ça. C'est que je veux, mon objectif aussi, c'est de maintenant, je suis en train de grandir là. Et donc, que ce social, c'est l'inforum, ça soit un rendez-vous qu'on fait ensemble tout deux fois par an. Mais entre-temps, donc, je vais pouvoir faire d'autres choses pour pouvoir justement montrer les gens comme Wilfried, Emmanuel, comme Maria, en fait, comme tous ces gens qui sont là et où on va vraiment prendre le temps pour parler de ce que nous faisons. Et donc, du coup, oui, Wilfried, tu as quelque chose. D'accord. Merci beaucoup pour la parole une fois de plus. Bon, moi, je vais directement aller à la question que tu as posée, Jasmine, notamment sur notre communication en nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, nous sommes lancés sur LinkedIn avec pour base le projet Elan. Donc, lorsque nous nous lancions sur LinkedIn, au départ, c'était dans l'optique de
faire la publicité du projet Elan, parce que nous avons vu, avant, pour la petite anecdote, avant, on faisait des publicités sur Facebook pour pouvoir recueillir des utilisateurs. Mais nous nous sommes rendus compte un jour sur le statut d'un camarade qu'on a en commun que sur LinkedIn, de façon gratuite, il avait pratiquement la même portée que nous sur Facebook avec les publicités. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, mais bon, pourquoi ne pas nous lancer sur LinkedIn, question d'avoir aussi cette portée-là de façon gratuite. C'est comme ça qu'en février 2022, fin février 2022 exactement, nous nous lançons sur LinkedIn, ensemble en tout cas. Et on décide de communiquer déjà premièrement sur le projet Elan. Mais lorsqu'on arrive sur LinkedIn, on se rend compte qu'en plus du projet Elan, chacun de nous peut se créer une marque personnelle. Donc, quitte à ce que chacun de nous puisse avoir son identité à lui, et après, l'identité de Elan vient comme une sorte de point de rencontre ou point de fusion entre nous deux. Donc, c'est la raison pour laquelle, généralement, nous avons, on va dire quoi, une même base de charte graphique, notamment les couleurs, la police et autres, les variations de couleurs et autres. Mais maintenant, chacun a sa marque personnelle qu'il apporte à la chose. Par exemple, nous avons évité de reproduire la même chose parce que chacun de nous a sa manière de s'exprimer sur LinkedIn, chacun de nous a sa manière de faire, chacun de nous a sa manière de se présenter sur LinkedIn. Raison pour laquelle on utilise cette base que nous avons en commun, mais cependant, le contenu, on l'a fait de façon différente. Chacun avec... Voilà, c'est ça. C'est ça que je te disais, Pierre, je les ai en stéréo. Donc, c'est un peu sur ce principe-là que nous nous basons pour communiquer de façon quotidienne sur LinkedIn. Donc, c'est ce que je pouvais rajouter par rapport à ta question. C'est très bien. Moi, j'avais envie de réagir un petit peu par rapport à la crainte employé, pas employé, est-ce qu'on peut parler après tout, c'est assez positif pour un patron d'avoir quelqu'un qui a des idées, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui a ouvert ses antennes. Ouvrez vos antennes. Ça, c'est pas... Votre patron ne va pas vous dire « Ah non, tu as trouvé un nouveau... » Le patron, il est embêté. Il voudrait trouver un gars qui va lui permettre de créer un texte facilement pour pouvoir faire des nouvelles... des nouvelles présentations de nouveaux produits. Mais si tu n'es pas sur LinkedIn, que tu ne suis pas des rencontres comme aujourd'hui, ben moi, je n'entends pas parler de votre projet. Mais là, j'ai mes antennes ouvertes. Là, je viens de découvrir deux personnes qui ont créé un produit, qui sont en train de voir comment ça peut se développer. Moi, un truc comme ça, je n'avais jamais entendu. Mais si je ne suis pas là aujourd'hui, si je ne suis pas là sur mon heure de repas de midi, que je viens vous écouter, je ne l'entends pas ce truc. C'est parce que ben, je suis Jasmine, je suis Loïc pendant la COVID que j'ai découvert. Mais si tu restes enfermé, mais là, maintenant, peut-être que dans 2 jours, 3 jours, 5 jours, je vais avoir ou soit mon patron ou un autre ami qui va me dire « Ah punaise, je n'arrive pas à me faire connaître, je n'arrive pas sur Facebook, je paye, ça ne sert à rien. » Attends, là, je viens d'entendre Wilfried, c'est un gars que je ne connais pas, mais là, j'étais en rencontre, en visio avec lui et il m'a parlé qu'en fait, sur LinkedIn, avec peut-être même son projet Elan, on arrive à toucher autant de monde sans, enfin, en gratuit, quoi. Mm. Ah ouais, ben donne-moi son profil, je vais aller le contacter. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours à un contact d'une personne qui peut peut-être solutionner quelque chose. Exactement. Et à partir de ce moment-là, si on a compris ça, on ouvre les portes et on se rencontre. Et puis voilà, s'il se passe quelque chose, c'est super. S'il ne se passe rien, ben, on peut rester en contact. Ben voilà, il y a... Jasmine, ça fait un an maintenant que je la connais grâce à Loïc. On reste en contact. On ne doit pas se parler tous les jours, mais il y a un match, il y a une rencontre qui s'est faite. Voilà, c'est ça. Et chaque fois, en fait, des petites gouttes d'étincelle et vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est un levier, mais formidable, LinkedIn. Mais il faut y être, il faut être ouvert et c'est parti. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un patron qui va dire « Ah non, moi, je veux que tu sois dans une boîte, au fond d'un couloir, dans un placard. » Reste bien là et notre entreprise, elle va progresser. Je ne connais pas de patron qui pense comme ça. Hein. Oh, si c'est un patron... On est revenu. Oh là là. Il y a un peu plus de monde là. Il y a un peu plus de monde.
Ladies and gentlemen, welcome back. Thank you for the English speaking people. Now we switch back in a few seconds in French before the next session. On reprend en français avant la prochaine session qui aura lieu à 13h. Hein? 13h précise. Et donc, venez un petit peu avant 13h pour ceux qui sont là. Mais avant que vous ne partiez, je vais juste demander à l'un d'entre vous qui était dans l'atelier de nous faire une petite synthèse en trois points des trois choses qu'on a pu apprendre dans cet atelier. Allez, qui veut parler là? Levez la main. Allez, Maïmouna, moi je laisse la parole à Maïmouna, Loïc. Allez, vas-y Maïmouna, si on te voit. C'était notre étude de cas. C'était notre étude de cas aujourd'hui. Mais je veux la voir, Maïmouna. Où est-ce qu'elle est, Maïmouna? Elle est là. Elle est là, vas-y Maïmouna. D'accord. Les trois points que tu as appris, ah, vas-y. Ok, et j'ai appris quand même plus de trois points. Parce que donne-nous les trois plus importants. D'accord, ok. Mon cas était un cas d'école, donc je vous explique un peu le contexte. C'est le cas de quelqu'un qui veut se montrer sur les réseaux sociaux, mais qui est employé quelque part. Et la question, c'était comment faire le branding. Donc, après échange avec les uns et les autres, et ce que j'ai appris, c'est que je peux continuer de communiquer, même étant employé quelque part, mais de rester subtil. Et je peux également commencer à commenter qualitativement sur les posts des autres, republier sans commenter, mais faire des commentaires de qualité en bas. Et puis, la troisième des choses, c'est de faire une étude de marché en attendant de me mettre à mon propre compte. Merci. Ouais, OK, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je vous rappelle que nous nous retrouvons au plus tard, dans 10 minutes d'ailleurs, pour quelques minutes avant le lancement du prochain live. Si vous êtes sur LinkedIn ou ailleurs, sachez que c'est un deuxième live qui aura lieu donc à partir de 13h précise. Voilà, c'est live numéro 2. Et si vous, les intervenants, voulez encore faire l'appairage de vos propres comptes pour pouvoir diffuser en temps réel, eh ben, n'hésitez pas, faites-le. Hein, je vous ai donné les liens dans notre messagerie privée. Voilà, je termine donc ce live. Attention, applaudissez-vous quand même avant que je termine le live. Voilà, applaudissons-nous à vous. Merci beaucoup et j'arrête la diffusion en direct. Voilà. C'est fini, la diffusion en direct est terminée. À tout de suite. Vous pouvez rester là, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de partir. Maïmouna, si tu permets, par rapport à ta question,